Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.1 point quelque chose. Donc, on va dans le service de Spatioport, ça va être un petit peu différent dans cet épisode. On va simplement commencer par aller regarder ce dont on a besoin pour le FSD. Uniquement le FSD, rien que le FSD pour le rang 5. Le rang 4 et le rang 5 du coup. On a besoin donc principalement, normalement, de système de raid d'alimentation, de trajectoire d'hyperespace, d'hystérie chimique et de manganèse. Tout ça, on les a. Ici, on a besoin d'arsenic, de manipulateurs chimiques et d'exploration de données de sillage. Bobine d'émission magnétique. Alors, tout ça, on va aller voir ensuite dans notre inventaire. Qu'est-ce qui est en cargaison? Qu'est-ce qui est en matériaux? Par exemple, bobine d'émission magnétique. Est-ce que ça, c'est ici ou pas? Apparemment, non. Par contre, si je vais dans matériaux... Bobine d'émission magnétique. Ah si, elles sont là, voilà. On en a deux ici. Ok. Donc, je vais noter tout ça, chers amis. Je vais vendre le reste. Et ensuite, on se retrouve. A tout de suite. Ok, re, chers amis. J'ai tout vendu pour une bouchée de pain. Ce n'est pas grave. J'ai dû me déplacer sur une autre station, cela dit au passage, hein, je précise. Verrouille le prochain itinéraire. Voilà. Et on va faire en avance rapide 7 sauts vers Staffkarl, pardon. Parce que normalement on est censé pouvoir y acheter quelques trucs niveau 5 et niveau 4, je ne sais plus, niveau 4 je crois. Ce qui pourrait donc nous être bien utile. Rentre le train d'atterrissage. On va booster un petit coup quand même, accélérer. 7 sauts que je vous fais en avance rapide comme précédemment sur les 14. Bon, on verra bien si ça vous plaît. Là je suis en train de monter celui que j'ai tourné ce matin. Et je vous l'uploaderai normalement pour demain. Demain je crois. Demain dimanche, oui c'est ça. Je vous l'uploaderai pour demain dimanche. On va aller chercher déjà les compos qui nous intéressent. Ensuite on reviendra donc je pense soit dans la prochaine vidéo, soit moi en off. Ça dépend si j'arrive à tourner tout ce que je joue aujourd'hui, je reviendrai vite fait en off ce soir. Pour faire le trajet en retour. Sinon bah tant pis, on verra bien. J'ai tout noté n'empêche derrière mon petit tableau. C'est prêt, on y va, je saute. A tout de suite. Ok, re, chers amis, normalement on est au bon endroit. Faut que je trouve une station. Une station, la première qui vient. Hop, elle est assez loin, elle est à plus de 1000 hein, quand même hein. Et normalement cette station je devrais pouvoir acheter donc, comment qu'ils appellent ça, des systèmes de Oups, j'arrive pas à me relire. Bref, des trucs pour le rang 5 de FSD. J'arrive pas à me relire, c'est rare. Hein. C'est très très rare, mais je tombais en panne de commande de place et j'utilise comme c'est sur un petit tableau blanc, vous savez. Plus des gros crayons, petit tableau gros crayon, du coup pas beaucoup de place. Du coup voilà, bon, c'est pas grave. Un système de... d'alimentation. Système de réseau d'alimentation, c'est ça. Wouh!
J'ai trouvé! Bon bah dragée fuca, y'a plus qu'à. J'ai quand même bien vidé l'inventaire, hein. Normalement je devrais être il est où? Il est là. Cargaison à 2,78 72 pardon. Donc voilà, c'est plutôt bien. Cependant portée de tour on est déjà à 38 sur les 41 qu'on devrait pouvoir faire. C'est bizarre. J'imagine que les 41 sont nominaux finalement. Enfin bon. Plus le... Ouais, peut-être que c'est aussi à cause du comment du véhicule que je transporte. Aussi, du VRS. Ah bah non, j'en ai pas, c'est vrai. Oh, c'est bizarre. Bon, je sais pas. J'imagine que c'est une quelque chose de nominal. Ah non, c'est peut-être sans le poids du carburant. C'est peut-être ça, tout simplement. Enfin bon, là n'est pas le plus important. L'objectif, c'est d'avoir les pièces, d'augmenter jusqu'au niveau 5 et d'espérer de prier pour qu'au niveau 5 nous ayons une très très bonne chance, que la bonne fortune soit avec nous et que nous ayons une capacité de saut complètement améliorée de la mort qui tue. Ce serait vraiment génial. On a deux chances je crois de mémoire, du coup faudra vraiment avoir du bol. Mais faut y croire chers amis, faut y croire. L'objectif c'est vraiment d'avoir la capacité de saut la plus importante pour espérer derrière réduire forcément la quantité de saut réalisable pour le farm. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, Jofurali Orbital. Je n'avais jamais vu la famille rassemblée au grand complet. C'est la première fois que je le vois, ce texte. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Bon. On y est. Désengage le FSD. Coupure FSD. Hop, parfait. Toujours un petit peu long. Oula, c'est balèze. Oula, c'est balèze. Oula, j'ai fait des conneries aussi. Hop. Hop, c'est bon. Là, je devrais être bon. C'est bon. On va le laisser maintenant se garer. Crac. Lumière. Reçu. Lumière. Reçu. Alors, il faut savoir que j'ai légèrement modifié le son, chers amis. Donc à vous de me dire si maintenant il est suffisamment fort ou pas. Parce que j'ai remarqué que dans le shoot que j'ai fait ce matin, que le son me semblait extrêmement fort. Et effectivement, le son avait été réinitialisé au niveau de Windows. Ça m'a surpris. Donc bon, oui, normalement j'ai réglé le son. Si c'est pas assez fort, vous me le dites. Si c'est trop fort, vous me le dites. Normalement, ça doit être juste niveau son, là, pour le coup. J'entends même pas la lumière se mettre. C'est rigolo. Ah là, je l'ai mis. Je pouvais peut-être pas le mettre pendant qu'il y avait le robot, finalement. Simplement. Enfin, le pilotage automatique. 22, ça devrait être là-bas, voilà, c'est ça. C'est pratique quand, quand les numéros des rangées sont affichés, en fait. Ça me permet de chercher plus facilement. Ça devrait être fait, d'ailleurs, en règle générale. Ça aide beaucoup. Bon, enfin, bon. Alors, parfait. Pas de service de spatioport, on va pas s'embêter avec ça. Cependant... On va quand même acheter 5 ou 6 de ces trucs. Hein. Alors, marché. Marché, marché. Donc, système de réseau d'alimentation. Plus qu'à trouver ça. Mm-hmm. Eh ben, j'ai l'impression d'être venu pour rien. Ok. C'est pas que ça me fait chier, mais... Je veux dire, c'est marqué, quoi. Inara. Mm-hmm. Location. Oleski Sport. D'accord, c'était marqué, j'étais stupide. Bon, c'est pas grave, on y retourne, hein. On y retourne, on y retourne. Crac. Décoller. J'aurais dû remarquer, c'était marqué. Faut vraiment que je pense à vous mettre les différents liens, chers amis, les différents liens pratiques d'Elite Dangerous dans les commentaires ou alors dans l'image, je ne sais pas, je sais pas, je vais essayer de vous montrer ça. Faut vraiment que j'y pense, ça va être nécessaire. Rappelez-le-moi, s'il vous plaît, rappelez-le-moi absolument.
Parce que ce sont vraiment des outils extrêmement pratiques. C'est l'équivalent de la radio dans le jeu finalement, hein. C'est vraiment pratique. C'est des espèces de wiki agrémentés par les joueurs et... Non franchement, rentre le train d'atterrissage. Franchement c'est pratique et ça bousille pas l'heure quoi, c'est... Franchement c'est pas mal. Hop, direction Holoski Sport. Holoski ou Port ? Holoskif ? Bref. Direction la station là-bas. Hop, un petit coup de boost et on peut sauter. Bon. Alors j'ai été De toute façon je crois que vous l'avez vu forcément. J'ai été un petit... Ah non vous l'avez pas vu, c'était pendant un autre moment de la vidéo effectivement. Quand je suis allé me rendre là où il y avait le marché un peu plus tôt, je me suis fait agresser plusieurs fois par un bonhomme et c'était la grosse violence. Il m'a peut-être intercepté 3 ou 4 fois hein, pour le principe. Une vraie plaie, pardon. J'espère que j'ai pas avoir le hockey, sinon ça va être coton. Non, une vraie plaie et j'ai senti que le vaisseau il était pas maniable en fait. Mais bon, ma soute était pleine. Hein. Excusez-moi, faut pas que je vapote pendant le tournage. Faut que je me retienne. Mais c'est vrai que, alors en plus, devant un jeu comme ça où ça me calme complètement, ça donne envie de vapoter quoi. Donc ouais, je disais, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé que oui, je vais peut-être faire du facecam, mais il va me falloir une caméra de meilleure qualité. Là, j'ai une vieille caméra qui a peut-être... c'est une webcam, hein. Elle a peut-être 8 ans, 9 ans, si ce n'est plus. Peut-être même plus. Elle a peut-être plus de 10 ans, pour vous dire. Non, peut-être pas plus de 10 ans, 8 ans, 9 ans, ouais, effectivement. Bref, et donc la qualité n'est pas top, elle n'est pas HD, elle n'a pas l'autofocus, le focus est à faire à la main, il y a une distance qui est très réduite. Donc ouais non là pour le coup c'est pas top. Je me suis renseigné, on m'a dit que soit j'achetais une caméra, une vraie caméra donc de tournage à 300 boules et là j'aurais du bon matériel, du bon matériel mais pas forcément le haut de gamme de la performance, mais du coup j'aurais pas forcément j'aurais un matériel professionnel. Ou alors on m'a conseillé plutôt d'acheter une webcam de qualité hein. Genre dans les 100€, de toute façon je crois que c'est le prix qui coûte. La Logitech, on m'a dit, la Logitech C900 quelque chose, C920 je crois, C920 Pro. Et on m'a dit que là-dessus, si je partais là-dessus, j'aurais une qualité certaine pendant une certaine durée de vie aussi. Bon, à vous de me dire si vous avez des connaissances sur le sujet, si l'un d'entre vous en a une. Moi, il fallait que je regarde d'ailleurs, je vais regarder ça tout à l'heure, il fallait que je regarde ça tout à l'heure sur Le Bon Coin, tout simplement pour voir si, oui ou non, je pourrais trouver des choses intéressantes dessus. Parce que bon, je me vois pas en acheter une neuve à 100 boules. Le problème c'est qu'en fait, si je veux faire un investissement de qualité pour vous... D'ailleurs, je suis ravi quand vous me dites que la qualité de mes vidéos est bonne. Parce que bah, je fais tout pour. Hein. C'est des budgets serrés, mais je fais pour. Je fais tout pour. Mais ouais, j'essaie de garder une qualité globale qui soit bonne en règle générale. Parce que bon, faut que ce soit agréable à regarder quoi. Si je me mets à faire du 480p, ça va pas être drôle. Enfin bon. C'est tout un pas bordel, mais vous avez tout un boui-boui, entre guillemets, si je puis dire, avec plein de choses à faire dans tous les sens pour essayer d'avoir le mieux sans pour autant me péter mon porte-monnaie, quoi. C'est pour ça que le HTC Vive est un rêve, hein, chers amis. C'est un rêve que je pourrais le faire. J'ai juste ce qu'il faut, mais justement, j'ai juste ce qu'il faut. C'est ça le truc. Alors, parfait. Quand on voit la station comme ça, c'est génial. Regardez, il y a trois niveaux différents de stationnement de parking entre guillemets. Les trois avec une grande, enfin une moyenne et deux petites quoi. C'est super. Bah regardez, enfin je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça génial. Hein. En train de me demander si le filtre est fonctionnel. Oui, le filtre est fonctionnel. Si le filtre est fonctionnel, parce que sinon... j'ai un doute, remarque. Entrez dans l'hangar, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Juste aller voir vite fait derrière. Si le filtre est fonctionnel ou pas. Marcher, et normalement ici il devrait y en avoir. Système de réseau d'alimentation. Ah, bah voilà.
Peut-être pas une soute pleine. On va prendre une... Hop, ici. Crac. Une dizaine. Oui. J'imagine que j'ai pas les bons plans de... Hop, ici. Ah bah comme ça, j'ai même pas droit d'aller les voir, ces plans. Ah bah cool. Merci. Je t'avais pas, toi, avant. Oh, c'est Elvira Martuk qui vous a présenté Marco Quent. Marco Quent ne vous avait pas de son atelier car Sir Corporation le lui a demandé. D'accord. Mais on sait pas du tout où est-ce qu'il est. Oh, intrigant. Intrigant, intrigant. Au passage, je sais que j'avais des textes que je n'avais pas lus dans le précédent épisode. Non. Apparemment non. Ok, bon bah pourquoi pas. Oui, je voulais voir vite fait, chers amis, après on repart. Je voulais voir vite fait si, oui, le filtre est fonctionnel. Le filtre est fonctionnel, c'est bon. Ah, hop, j'avais pas vu son message, j'ai pas ce que je voulais faire. Hop. Je vais lui répondre quand même rapidement. Comment je fais? Bla, pourquoi ça veut pas? Ah, ça veut pas. Souris? Non. Ah si, je sais. Hop. C'est lui? Rome Seafire. Ah, c'est parce qu'il est pas connecté. C'est parce qu'il est plus connecté. J'ai pas eu le temps de lui répondre. Je suis désolé. Je suis désolé, Rome Seafire. Comme tu n'es plus connecté, j'ai pas eu le temps de te répondre et j'avais pas vu le message avec tous les trucs qui sont affichés à l'écran. Je suis désolé. Bon bah écoutez, on va repartir, chers amis. On va aller améliorer notre vaisseau une dernière fois. Et une fois qu'on aura sauté, je vais repasser en avance rapide. Hop. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si le son est bon ou pas. Rentre le train d'atterrissage. J'ai aussi baissé le son de vocals pour qu'elle ne prenne pas par-dessus ma voix normalement. Normalement, là, à l'heure actuelle, tout est beaucoup moins fort que précédemment. J'ai oublié de afficher la lumière, voilà. Hop, de lancer mon itinéraire. 190 SL, 7 sauts normalement. Et je peux y arriver en un seul plein. Cool, c'est bon à savoir. Comment je sais ça? En fait, c'est pas dur, chers amis. Tant que la ligne dans la carte galactique est continue et pas striée de petits points. Tant que la ligne est continue, c'est que vous pouvez le faire sur votre réservoir actuel. Voilà, tout simplement. Bon, et ben moi je vous dis à tout de suite, chers amis, je coupe le micro et je laisse le tournage. Comme ça, je coupe le micro, ça me permet d'avoir uniquement les sons du jeu et pas ma voix qui viennent vous emmerder par-dessus. Voilà, à tout de suite! Ok, re, chers amis, donc, j'espère qu'au niveau du son, c'est passé comme il faut. Normalement, on ne va pas y avoir de problème. Dites-moi en tout cas, encore une fois, si le son est trop fort ou pas assez, je suis avide de votre réponse. J'ai hâte d'avoir vos commentaires à ce sujet. J'ai beaucoup baissé, mais ça me semble être pour le mieux. Le problème, c'est que mon casque n'est pas top moumoute. Du coup, il est possible qu'il soit super amplifié en fait à l'intérieur. Vu que j'ai pas trop de réglages.
falloir que je passe aussi sur un nouveau casque. Un casque plus performant. Mais bon. J'ai un ami qui va m'en prêter un bientôt, donc ça devrait pouvoir le faire. Enfin, me prêter un. Me filer un vieux à lui. Parce qu'il est passé au sans fil, mais... Enfin, peut-être plutôt lui payer quand même, parce que j'aime pas piquer les choses comme ça. Et il me connaît bien, parce qu'il m'a pas, il m'a pas donné le modèle. Donc moi, qui, enfin, j'aurais pu le payer par exemple la moitié du modèle, comme ça, hop, j'étais tranquille. Modèle 9. Mais il me connaît bien parce qu'il a pas... Il a pas souhaité donner le modèle. Il l'a fait exprès, je suis sûr. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Hop, on y va, on y va. On va pouvoir se refaire un atterrissage, ça nous entraîne, chers amis, c'est bien. En plus, un atterrissage avec une gravité supérieure à ce qu'elle est censée être pour nous, sur la Terre. Pardon. Oui, j'ai un début de hockey qui est en train de venir. Ça va être terrible. Ça va être absolument terrible. Alors, ici, hop. On marchande notre amélioration. Voilà. Le nom de l'épisode est noté. Il me reste encore 4 vidéos à tourner derrière. Donc du Osiris Down, de l'Overwatch, du Robocraft et du Starbound. Ça fait longtemps. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu laxiste. J'ai pris du temps pour moi un petit peu là, ces derniers jours. Du coup, je me retrouve un petit peu en urge là. Là, j'ai tout juste les vidéos pour aujourd'hui. Là, faut que je absolument que le montage de et dans le jeu se termine pour que je puisse l'uploader. Donc là, si j'arrive à monter, à tourner tout ça, je pourrais mettre jusqu'à donc je pourrais mettre demain et après-demain de vidéos en ligne. Demain, si je peux en tourner 6 autres, je pourrais mettre mardi et mercredi et après j'aurai donc un début de semaine un petit peu plus léger, ce qui sera agréable, croyez-moi. Croyez-moi. Oh là, j'ai foiré. Moi, j'ai pas fait attention. En train de discuter, je regardais aussi tout ce qui était tableau là, tout mon petit tableau. En espérant que ça va être suffisant, 2 ou 3, je sais pas combien que je vais pouvoir en faire, de niveau 4 pour passer ensuite au niveau 5. Quitte à ne pas tout dépenser au niveau 4 pour espérer avoir, si jamais j'ai pas ce qu'il faut avec le niveau 5 deux fois, revenir sur un niveau 4 peut-être plus performant. Farmer un peu plus le niveau 4 pour grappiller des points. On va bien voir. Ah, je suis pas sur la bonne surface, apparemment. Ah, je suis pas en face de la surface sur laquelle est installée et construite l'installation. On va y arriver. On va arriver à s'exprimer, vous inquiétez pas, chers amis, ça va venir. Hop. N'empêche qu'on se débrouille plutôt bien. Notre approche n'est pas moche. Et apparemment, je suis pas tout seul. Hop. Alors, je vous avais promis des jeux d'horreur, apparemment ça ne vient pas, hein. Call of Cthulhu, c'est pas pour tout de suite. Donc, je sais pas, est-ce que vous en avez à me proposer? J'avais proposé Amnesia et. Mince. Oh là, on se fait agresser. Alors, je sais pas ce que ça va donner, on se fait agresser dans l'orbite de la planète. Pourquoi ça me balade comme ça? Pourquoi le flux me balade comme ça? Oh! Gros sac. What? Un clipper. C'est ça, hein. What? Mais regardez où est-ce qu'il m'a envoyé. J'étais à 3-5, il m'a envoyé de l'autre côté à 13-5. C'est débile. Oh, et en plus d'être nombreux les mecs, dis donc. Hop. Bah t'es rigolo toi. Ah bah oui, bah température au-dessus de 100%, mais je peux pas me défendre. Ah vas-y, je t'envoie ça si tu veux, y'a pas de soucis mais. Bah c'est bien le friendship charging, il va me bousiller mon vaisseau encore plus. Allez, charge. Allez. Il s'est pas visé cet abruti. Allez. Je vais péter mon vaisseau à cause de cet enfoiré. Ah, la vache.
Ah bah voilà, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin parce que je suis en surcharge et que c'est en train de me tuer et que je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. C'est cool. Il m'a quand même pas vidé ma soute. Il m'en a pris 5 déjà. Il m'en a pris 8. Et je ne peux rien faire. Voilà, il m'a tout pris. Putain d'enculé de fils de pute. Et tu ne peux rien faire parce que il a l'arme à la con qui augmente ta température tout le temps. Voilà, je vais crever comme un con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Je suis en train de perdre tout mon vaisseau. J'ai rien contre ça. J'ai strictement rien pu faire. Voilà. Voilà un épisode dans le vent, vous voyez. Dans le vent, littéralement dans le vent. Putain, à cause d'un fils de pute. Ah, je suis désolé, mais alors là. Et en plus, c'était de la merde. Le jeu m'a téléporté de 10 millions de kilomètres. 10 millions de mètres, pardon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Putain. Alors là, tu oses me dire que je vais me planter sur la planète en plus, là, parce que c'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Oh mon de Dieu. Eh ben écoutez. On va se laisser là, parce que là, moi, je viens de me bouffer 400 années-lumière pour la peau du cul, littéralement. Alors que j'arrivais devant la planète, hein. Le mec, il commence à me... Il m'agresse là. À cette distance. Putain de fils de pute. Ta mère suce des bites en enfer, espèce de développeur à la con qui a pensé à cette saloperie de piraterie à 3 millions de mètres. Voilà. Eh ben c'est bon, je suis bon pour tout refaire. Staff Karl. Voilà. Allez hop, c'est génial, c'est la fête. J'ai même pas envie... J'ai même plus envie... Là j'ai envie de rage quitte, là j'ai envie de... C'est la première fois... Que ce jeu me donne à ce point envie de rage quitte là sur une connerie pareille. Parce que le pire c'est que je suis encore en vie. Je suis encore en vie, putain. Il m'a juste enculé. Il m'a juste enculé à sec. Putain. Eh ben je repars. Allez, je coupe. Le pire c'est que je ne pensais que j'avais mes dissipateurs thermiques. Je recoupe. Je précise que ma soute est vide. Et j'avais coupé le... J'avais coupé les moteurs. Et le jeu me fucked up. J'ai rien dans ma cargaison, abruti. J'ai strictement rien dans ma foutue cargaison. Regardez ça. J'ai rien. Je sais pas ce qu'il veut. J'ai strictement rien. Et le pire, c'est que j'avais coupé les moteurs. J'avais coupé les putains de moteurs. Et ça me fout comme si j'étais... Ah. Je, tu te moques de moi. Allez. On se casse. Si tu me fous une panne maintenant, je rage. Non, c'est bon. Et on est à 11 aisselles. On est à rien. Strictement rien. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai rien à donner, strictement rien, j'ai rien sur moi. Qu'est-ce qu'il me veut? J'espère qu'il y a les réparations, je ne me rappelle plus, j'aurais dû regarder le shoot. De toute façon, il faut que je passe par là en tous les cas, donc... Ok, allez, mine-toi. Mine-toi, parce qu'autant les 5 sauts, c'est rapide. Alors là c'est clair que je vais pas avoir envie de faire le retour en off, chers amis. Cherchez pas. Hein. Et de toute façon, là, je pense que ça va être fun de le faire, les différents retours. Hein. Parce que si on se fait agresser quand on est sur le point de se garer,
Là pour le coup, ça vaut pas le, enfin ça vaut littéralement pas le coup de le faire quoi. Une fois je veux bien, pas deux quoi. Ah bon? What the... Et en plus, il y a pas de... Mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce jour de merde? Ce jour de malchance? Tu veux bien me laisser me garer, s'il te plaît? Ah non? Qui c'est qui m'a piqué ma place? Parce qu'il faut qu'on en parle, là. J'ai pas d'armement, mais je peux encore me suicider sur ta tronche. Un pauvre killback. Ma place. Ma place. Ma place. Ma place. Ma place. Ça y est. Allez, va. Attends. Ah bah mon ordinateur de beurre est complètement pété. 0%. Ah bah oui. Mais est-ce que ça vous étonne vraiment, finalement? Pas moi, hein. Honnêtement, pas moi. Hop. Hop. Voilà. Service de spatioport. Ça va me coûter combien à réparer tout ça? Ça va être rigolo. Mon cancer me revient. Non, je rigole. Non, non, mais là honnêtement, c'est du foutage de gueule. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le pire, c'est que je le retrouve pas. J'ai sans doute passé à côté 36 fois. C'est quoi le nom déjà? Système de réseau d'alimentation. Produits de consommation. Technologie. Mais dis pas qu'ils ont disparu en plus. C'est bon. Hop, je reprends. Une quinzaine, pas plus. Et on va sauter directement, chers amis. Pourquoi est-ce qu'on va sauter directement? On va essayer de rejoindre une station qui sera plus proche du site. Parce que là, vous voyez, on a la station, elle est à combien? Il y a celle-là aussi, si on veut. Elle est à 800 et quelques SL, ce qui me semble être un peu gros. On va sauter, tant pis. Tant pis, je vais tenter le diable, littéralement. On va le faire ensemble. Ça va encore durer des plombes à monter, mais c'est pas grave. Hop. Il est quand même pas 16h42. Ah si, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mademoiselle Martuc. Non, non, je... Voilà, merci. Hop, afficher la carte. Pourquoi je veux afficher la carte? Pourquoi il n'y a pas directement... Hop. Allez. Crac. Et on saute. Je vais encore laisser tout ça. Verrouille le prochain itinéraire. Hop. Allez, parce que là honnêtement, ça pue du cul. Hein. Regardez le nombre de vaisseaux qu'il y a dans mon cul, quoi. D'un seul coup. Hop, allez. Hop, c'est bon. Donc là, faut qu'on trouve une station proche de l'étoile. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça me coûte une trentaine de milliers à chaque fois pour le comment les compos. Plus là, si ça me coûte le vaisseau en plus, c'est pas la peine. Ah bah bien. Bien. Bah écoutez, on va y aller. Ah bien voir, ça se trouve, ils en ont une. Sevastianov Survey. Da. De toute façon, faut que je reste en mouvement. Là, faut que je reste en mouvement, chers amis. Hein.
C'est Vastianov Survey. Comment t'écris ça? Blah, tout qui se casse la gueule en plus, c'est génial. Hop. Est-ce qu'elle a les réparations? Oui, elle a la réparation. Bon, je devrais pouvoir me réparer. Par contre, elle a pas le ravitaillement. Il y a plus qu'à l'atteindre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et que 5 sauts, donc je vais vous les laisser, hein, tant pis. Vous les avez passés avant, mais ceux-là, je vais vous les laisser. Oh là 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 là. Comment ça a pu arriver à 3 millions de mètres de la station, quoi? Pourquoi le jeu m'a fait ça, quoi? Je l'ai toujours respecté, je parle du jeu en bien tout le temps et le jeu m'en... Bref. C'est dégoûtant. C'est écœurant. Là, pour le coup, c'est écœurant. Mais bon, c'est un état de crise, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, j'avais accès à mes dissipateurs thermiques, hein, au moment où c'est arrivé. Je l'ai pas fait parce que voilà, première crise véritablement avec ce vaisseau dans ce fitting là, et du coup je n'y ai pas pensé. J'y penserai la prochaine fois, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Mais bon. C'est quand même écœurant sur les bords. Mais bon, c'est notre première véritable tentative de piraterie, parce qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, finalement, il s'est barré. Après, il s'est barré, le sac. Enfin bon. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est ça qu'il faudra qu'on fasse bientôt, chers amis, c'est pas grave, on ira dans des systèmes éloignés, puis on fera de la piraterie. Hop. On se vengera. On aura, après le Beluga, quand on aura suffisamment d'argent pour se payer un anaconda, c'est ce qu'on fera. Puis après... Ah bah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas le... non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On avait dit plateforme numéro 3. C'est laquelle? J'imagine que c'est celle qui est juste en face de moi. Sans suicide. Non, ça va. On est sauf. C'était pas loin, mais ça va. Ok, on est bon. Finalement. Hop. Service de spatioport, full repair, s'il vous plaît. Alors, plein, réparation. Hop les. Ouh, et ben ça fait du bien. Allez, on repart. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. J'imagine que c'est parce que je suis dans le mode. Enfin, dans le truc. Je suis dans une animation, on va dire. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du voilà. Prochain. C'était bien ça. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Hop. Encore une fois, dites-moi si le son du jeu et le son de vocals sont comme il vous plaît. Enfin, s'ils vous plaisent ou pas. Tout simplement. Hop, on part. Ouah. Eh ben, la catastrophe, chers amis, la catastrophe. Ouah. C'était la guerre. Hein. Honnêtement. Aurait été violent. Véritablement violent. Bon. Alors. Ok. Hop, c'est par là, c'est un là. Alors là, maintenant, je sais que c'est... Ces systèmes-là, je les ai déjà faits. C'est une bonne chose en soi, parce que maintenant, je connais à peu près le système. Donc, je sais que je peux passer sans trop charger, etc., etc., etc. Mais bon, non, non, franchement, c'était flippant. Alors, j'espère que je les ai pas perdus en vol. Non, c'est bon, je les ai toujours. Ah, j'ai pas accéléré. Hop.
Il n'empêche que tous ces sites, chers amis, à côté que j'utilise, comme eddb.io ou... C'est inara.net ? Inara.cz ? .check, je crois. Je sais pas. Enfin bref, tous ces sites sont d'une utilité... sans pareil, on va dire. Mis bout à bout, ils ont vraiment une certaine... ils sont vraiment complets. En fait, tous ces sites-là, mis bout à bout, permettent par exemple d'avoir une route de commerce viable ou de trouver tel ou tel, savoir où trouver tel ou tel composant pour les ingénieurs ou savoir quel composant il faut, où les trouver ou les acheter si vous préférez les acheter, si vous plutôt que de faire des missions, etc., etc. Il y a de l'outfit aussi de communauté, entre guillemets, si je puis dire, du partage d'outfit. Je crois qu'il y a des journaux de bord aussi sur eddb.io. Des informations sur les différentes puissances, enfin bref, tout ça, ça fait une espèce d'encyclopédie bien complète sur le jeu et toutes ces extensions et toutes ces informations qui vont autour. Donc honnêtement, c'est vraiment de très bonnes choses, faut vraiment que je pense à vous les mettre dans les coms. Hop. Mais ouais. Donc voilà, plein de choses, donc du coup je voudrais parler de plein de choses pendant cet épisode finalement. Par contre du coup il me reste 1, 2, 3, 4 vidéos à tourner, donc là à peu près, ouais, ça va être chaud. Alors, je suis une vidéo, j'aime pas ça, mais bon. Bon c'est comme ça. J'aime pas temporiser parce que ça fait moins plaisir quoi, du coup on a l'impression d'être toujours en train de regarder l'horloge pour être sûr de pouvoir faire ce qu'il faut. Pour moi ça me fait moins plaisir, pour vous ça revient en même, hein, mais pour moi c'est tout le temps, c'est du stress en plus quoi finalement. En plus j'ai une connexion qui semble être redevenue assez instable récemment, donc ça me pose des problèmes aussi, mais bon. Bref. Nous sommes à combien de sauts restants? Nous ne le saurons pas. Voilà, c'est complètement bugué là par contre, hein, je veux pas dire, mais... On y est? Non, c'est le scène d'après, non? On y est? Ah, on est à Kune, parfait. Du coup, vu qu'on est à Kune, on va essayer de rejoindre cette fois-ci la planète sans nous faire agresser. Ce serait peut-être pas mal. En gardant si possible une accélération viable. Alors, est-ce qu'on va se faire agresser cette fois-ci? Je ne vois personne sur la carte à part un monsieur au loin. Ah, tiens donc! Un Imperial Clipper, comment tu t'appelles? Recherché. Vous la sentez la merde arriver là ou pas? Est-ce que vous la sentez la merde arriver? Parce que moi je la sens. Je sens la douleur qu'un Imperial Clipper va me faire dans mes fesses et c'est vraiment pas agréable. Je le sens pas du tout, chers amis, là pour le coup. Là, j'ai les boules. J'en tremblerai presque. Allez, en douceur. Où est cette station? Est-ce que je suis dans le bon angle ou pas? Apparemment, oui. Allez. Calme-toi, Marcus. Il va pas te revoir, il est trop loin. Si tu le dis. Alors... Ce qui m'a le plus déplu, c'est la téléportation. J'étais à 3 millions, je crois, de mètres, là. Et d'un seul coup, je suis passé de l'autre côté de la planète à 13 millions. C'est un peu... du foutage de gueule, si je puis dire. Alors, on va essayer de se déplacer quand même un minimum. Pour essayer de rattraper un petit peu... Hop.
parfait. Ensuite. Tiens. Ça vibre. Ça vibre, ça vibre. Ok, je pense qu'on est plutôt bien niveau positionnement. Lumière. Reçu. Voilà, là je l'ai entendu la lumière. Ok. En douceur. En douceur. Hop, orbite de croisière parfait. Initialisation de la descente. Peut-être remonter un petit peu. Hop. Descente terminée. On est bon. Et ben voilà. Voilà une chose qui s'est bien organisée toute seule, honnêtement. Donc là on devrait plus pouvoir se faire attaquer. Normalement. Il y a un vaisseau à gauche, c'est pour ça que je dis ça. Mais normalement on devrait plus pouvoir se faire attaquer. On devrait pas être agressé. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon, 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 bon. Et ben enfin. Oula, si haut que ça. On est quand même à un kilomètre et quelques de la place de stationnement, hein, si je puis dire. Ah, normalement. Ok, habituellement tu fais plus de piquets avant. Ok, ok. Bon, bizarre. Habituellement il est plus... il a peut-être eu peur en fait. Il a peut-être eu peur, mon ordinateur d'appontage. C'est possible. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Et on va essayer de se faire donc du coup ce grade 5. Hop. Hop. Au passage. Crac. FSD. Oui. On peut donc s'en faire deux seulement. Merde. Bon, bah, on va bien voir. Hein. Si j'avais su, j'en aurais pas acheté autant. Alors. Ok. Oh, d'accord. Donc là, nous étions à 41,92. Nous passons à 46,12. What? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de retenter? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de retenter? Ah bah du coup j'ai plus mes bobines d'émission magnétique aussi. Ah bah oui. Ah bah oui, mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon, je peux le faire, à peu près ne pas le mettre après tout. Il faudrait véritablement un... Ah bah non, là c'est pas bon là. Là, c'est pas bon. Non, non, là, c'est pas bon. J'abandonne celui-là. Le mien est très, très bien, finalement. Ok, bon. Bon, 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 bah du coup, j'en avais acheté de trop. Hein. J'en avais acheté de trop. Et franchement, là, je pense pas que je puisse espérer mieux. Honnêtement, je vais voir si je peux pas, tout simplement. Hop. Je peux pas jeter la cargaison ici. Et j'éjecterai plus loin. Ok. Ok, ok. Bon.
Eh ben écoutez, chers amis, du coup, après cet épisode un petit peu houleux, merci de l'avoir regardé en tout cas. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, m'ajouter directement dans le jeu sous le nom de commandant Marcus Bonus, CMD Marcus Bonus, vous connaissez le truc. Ajoutez-moi si vous le souhaitez pour qu'on puisse en tout cas au moins discuter et voir ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à suivre les conseils que je vous donne, la plupart sont donnés par la communauté qui me suit. Encore une fois, merci à eux, merci à vous tous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour des aventures. Désolé pour la grosse rage avec le clipper. Salut!